oyonzamba bongisi po le belaviso na pokwa lelo tango papa ne azoleka to beteli su Yesu maboko. Alléluia. Amen. Quand Dieu il te montre vision, des fois on se demande comment ça va arriver. Quand Dieu, quand l'ange apparaît à Marie, Marie l'a demandé comment ça va arriver. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta sœur, tu ne connais pas qui tu es. Parce que, oui, alléluia. Dieu, osa une grande surprise. Tu es une grande surprise. Parce que tu as la sémence de Dieu en toi. Ah non, je ne sais pas. Dieu, au commencement, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres partout. Il y avait les chaos partout. Mais Dieu, quand il a commencé, il n'a pas vu le chaos. Mais il a dit les choses que lui voulait voir. Ah, tenez, tu sais quoi comprendre. Dans le monde, il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Ah non, on dirait que tu ne me comprends pas. Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a en nous. Il y a un pouvoir dans notre parole. Dieu il a dit, je vois les ténèbres, mais moi, je vais voir la lumière. Que la lumière soit. Amen. Ah. Cette femme, ce jour-là, elle a dit, je suis malade, mais il y a la guérison qui marche. Il y a la guérison ambulante qui marche. Il a dit, si j'ai touché seulement, il y a une chose qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché. Et quand elle a touché, l'hémorragie a s'arrêté. Il y avait un monsieur qui a perdu sa fille. Sa fille, elle est morte. Il a dit non. Il y a un miracle qu'on appelle Jésus-Christ. Quand Jésus l'a entré, il a dit Talita Kumi. Fille, je te ordonne, lève-toi. C'est des choses qu'on doit comprendre. Je sais que ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partager un thème. C'est un thème, je sais qu'on a déjà vu ça. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 à 34. Recherchez d'abord, les royaumes et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Il y a une chose, il a dit, recherchez. Et recherchez. Il a dit pas chercher, mais recherchez. Quand on dit rechercher, c'est parce que tu as perdu une chose. Alléluia. Parce qu'il y a une chose qu'il veut qu'on comprenne. C'est qu'il y a une chose que l'homme, il a perdu. C'est le royaume de Dieu. L'homme, quand il était dans le jardin d'Éden, ce Dieu qui était son pourvoyeur, Dieu, il a créé l'homme pour travailler. Mais les premiers fruits que l'homme, il a mangé, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a fait. Mais le péché est ça qui moutou a s'éloigné dans Zambé. Je vais expliquer ça. Donc, c'est que dans le jardin d'Éden, et c'est là qu'il y a, je vais donner un exemple. Quand les Européens sont partis en Afrique, c'est eux qui gouvernaient, donc c'est eux qui commandaient. Donc partout où ils partaient en Afrique, s'ils arrivaient dans un pays, c'est qu'ils obligeaient des gens de parler la langue qui est parlée. Alléluia. Donc c'est que sur sa provenance, quelque part, il y a peuple, et comment qu'ils battent, ils ont colonisé Bango. Vous se comprendre. Donc c'est que comme ils dépendent de la nuance, quelque part, donc on a, comment ils ont même l'habitude, comment les gens ils s'habillaient, comme ils ont colonisé. Alléluia. Donc c'est que quelque part, Adam et Ève, basala qui na sous domination en Zambé, la même langue en Zambé,
C'est comme quelqu'un qui disait, je vais les dépendances. Alléluia. Donc, mutanga zo sala lisumu azo kolongola nzambe alingi te nzambe a dirigé vinaye. Oui, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que sala ki lisusu volonté nzambe te. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit, je vous demande, la première chose que vous devez faire, c'est rechercher d'abord les choses plus importantes que vous avez perdues. Non, plus exemple moko. Muto a sala ki mwinda oyo, idene sala ki nini. Pour appeler ça nini, éclairage. Oui, c'est ça. Les seules choses que cet homme a fait, donc, à mon acquis ténèbres, non, dans le loco, il y a lumière. Donc, ce que nous avons rappelé, nous avons un objectif, moko songolo. Alléluia. Il y a une chose qu'un homme ne peut pas expliquer, la joie de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où on peut calculer pour expliquer comment Dieu fait pour choisir une personne. On va imaginer Moutouloko la David. On va imaginer Moutouloko la Nganayo. Mais dans ce passage, nous avons dit que nous avons faible pour confondre Obazamakas. Nous avons dit que nous avons pour confondre Obazali. Et c'est ça la choix de Dieu. On va donner un exemple pratique. Il y avait une femme qui était enceinte. Mais quand elle était enceinte, il y avait de. Comment je peux dire ça? La femme, il a trouvé ça bizarre. Il a dit non, c'est pas normal. Je crois qu'il est parti demander à quelqu'un qui est déjà tombé enceinte. Nénine, quand toi tu étais enceinte, est-ce que. Comment ça s'est passé? Bon, j'ai senti des bruits, mais il a dit. Oh, mais les bruits que moi j'ai sentis, c'est vraiment terrible. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Il a demandé à Dieu. Dieu l'a dit, il y a des nations dans ton ventre. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu l'a dit? Dieu l'a dit, le grand, il va servir le petit. Ah, c'est là où je comprends. Donc, c'est que la choix de Dieu, ça ne dépend pas des efforts que tu fais. Alléluia. Kopona mayanzambe, ezo dépend de tes efforts de ça. Parce que vous pouvez imaginer Isaac et Esaou, bazalaki nana katsa libumu, mais Dieu a choisi. Il a choisi. Atike Esaou, aponi Jacob. Alléluia. Jacob na yana Esaou bazobunda na katsa libumu. Nzamba lobi na poni yeleki. Natiki yaya. Alléluia. Mais c'est un peu bizarre. On va demander, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ces enfants, ils ont fait pour nous avoir rejeté Moussous, quoi pour Moussous. Et c'est pour cela que je dis, on n'a pas d'explication à donner par rapport à la choix de Dieu. Et ce soir-là, cette soir, oh, tu es la choix de Dieu. Tu es la choix de Dieu pour cette ville. Tu es la choix de Dieu pour cette ville, pour cette église. C'est pour ça que je te dis, tu ne sais pas qui tu es en vrai. Dieu l'a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Les lois sont au talib d'informations, comment on a combien de gens immers. Pour ne pas avoir stress. Stress, c'est ce qu'on a battu. Aujourd'hui, il y a des gens même, si on a détaillé, effet secondaire, il y a stress. Il y a des gens qui ont des problèmes de hypertension. Il y a des gens qui ont, aujourd'hui, quand ils parlent, des fois, son corps, il tremble. Il y a des gens, des fois, ils ont pris le sommeil. Pourquoi? Lendemain, ça t'inquiète. Le lendemain, ils ont l'ongola au panki. Mais Dieu l'a dit, cherchez d'abord le royaume qui t'a perdu. Cherchez d'abord à entrer dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, Dieu l'a dit, j'essaie des projets que j'ai formés pour vous. Dieu l'a dit, je sais des projets que j'ai formés pour vous. Avant Yobotam, avant que tu viennes dans cet pays, Dieu, il a déjà tracé ton chemin. Mais le problème, c'est quoi? Nous, on s'éloigne de le chemin de Dieu. Dieu l'a dit, cherche d'abord mon royaume. Le reste, ça te sera donné. Mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? On cherche d'abord le reste. Et quand on cherche le reste, on perd la volonté de Dieu. C'est pour cela que moi je dis des fois, ça fait mal parce qu'il y a des gens qui ont perdu le trésor qu'ils avaient à cause d'un petit sentiment, à cause d'un passe-temps. Église du Seigneur, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Parce qu'il faut se dire, ce qui nous aime, c'est Salakinga. A Salakinga, pour un objectif, mon co-songolo.
Nzamba salaki ba nyama va mutu. Pourquoi? Pourquoi nzamba salaki ba fruit avant mutu? Parce qu'il sait que nako sala fruit tant nako sala mutu, mutu ali a fruit. Même la création, nzamba salaka on a ordre. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu peut te révéler une chose. Mais il ne va pas te révéler comment tu vas faire pour arriver à cette bénédiction. Jacob, il a dormi. Quand Jacob, il est dormi, il a dit, il a vu une échelle. Et l'échelle que Jacob, il a vue, la Bible dit qu'il y a des anges qui ont commencé à monter. Alléluia. Ah, c'est terrible. Les anges, ils ont commencé à monter et à descendre. Comment tu peux m'expliquer un ange qui monte l'escalier? Alléluia. Ange, il n'a pas besoin d'escalier. C'est que Nzamba Zola qui sa Azola qui sa Jacob, n'a bongé c'est l'eau comme repos na yo, mais ça ne sera pas comme ça. Brrr, non. Et qu'au kende na moma na tanango malembe. Notre problème, c'est quoi? On veut tout que ça soit aujourd'hui. J'ai fait un peu la médecine, je sais qu'il y a des cas urgents de la médecine. Genre, ceux qui ont hémorragie, ils ont des cas urgents. Mais de certains cas, ceux qui ont tout passe, n'a moutazan hémorragie. On doit choisir d'abord qui? Moutazan hémorragie, c'est clair. Donc, c'est que de certaines cas, on a vu un abisso, ils ont hémorragie. Je vais donner un exemple d'hémorragie dans la Bible. Bana Israël devant la mer rouge, c'était une hémorragie. Je l'ai dit, je les laisse, bako koufa, à fongo les mailles. Je vais donner un exemple de moutou passe. Tous les solo à Joseph. Nous avons le bien de commis sa ogre. Alléluia. Quand quelqu'un il marche dans la volonté de Dieu, même l'échec, c'est une victoire. Vous comprenez la réalité. Quand quelqu'un il marche avec Dieu, même les petits échecs, c'est une victoire. Parce que Joseph, il a pensé que non, nous avons la qui sa kinga boy. Mais nous avons échec qui batte kinga. Or, qui sa la qui victoire naïe. Ah non, nous avons la qui sa kinga boy. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, même ta réussite, c'est un échec. C'est pour cela que Jésus l'a dit, et ça facile, chamon à l'écanel douceur donga, que un riche à côté de Bokonza Nicolo. Parce que osons penser que la richesse, c'est une réussite. Non. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Il y a des gens, je vais te dire ça, il y a des gens qui azan ambongo et belé, mais ils ne dorment pas. Et biso ils sont dans un bon mingité. Des fois, tu as 700 euros dans la compte. Mais ma boune de zoyaka. Et voilà. Alléluia. Alléluia. Là, on a un bon mingité. Mais j'ai la paix de l'Éternel. Jésus l'a dit, n'a copé sabino qui m'a dit que le paix sakate. Donc c'est que n'a que dans un moment difficile. Mais j'ai la joie. Ah. Job il a dit. Mon rédempteur. Vous allez expliquer. Job, il a perdu l'argent. Il avait une entreprise de chameaux. Entreprise, il y a chameau et ça, il y a et koufi, nyon suezik. Il y a une entreprise, il y a bœuf, nyon suezik. Tout ça, le même jour. Job, il y a qui qui a dit, bana, nyon suezik, le même jour. Il y a certains, déjà, des fois, au travail, tu n'as pas de réussite. Mais à la maison, tu as la réussite. Alléluia. Ça va déjà. Mais Job, il avait pris la réussite au travail. Même les amis, ils ont commencé à lui demander, qu'est-ce que tu as fait, Job? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des certains, quand ils souffrent, ils disent, yo, sali nzambe, nini. Parce que c'était la souffrance, non, c'est plus possible. Mais Job, il avait cette assurance. Job a béli lèpre. Il y a déjà quelqu'un qui a vu quelqu'un avec la maladie de lèpre. J'ai déjà vu. Mais ça peut quoi, Yaka? Imagine-toi. On va quand on a Moussapi. Oh, un jour, on va faire une alliance. Moussapango est quoi? Mais Job, il a dit, mon rédempteur est vivant. Ce qui nous a empêchés, il ne vit pas, il n'y a pas de Moussapi. Non, je te dis qu'on peut faire Moussapi, c'est possible. Nous sommes basés toujours dans la Bible. Nous avons bien le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel vient. Amémie dans la vallée des ossements. Dit bien, Bissinga, os, mikou, aïkouna, c'était très sèche. Il y a sèche, il y a très sèche. Donc, c'est que la sécheresse, c'est là qu'il y a haute catégorie. La première chose que Dieu a fait, il a demandé à prophète, c'est possible. Le prophète, il était sage. Il a dit, il y a que Dieu, il sait.
kaka yo nzambo yebi si c'est possible ou pas. Nzamba lobi une bonne réponse. Il a dit, commence à prophétiser. Je vais te donner une stratégie. Quand tu vois les choses, ça commence à devenir terrible et sombre, commence à prophétiser. C'est parce que Dieu l'a dit, ma fille, mon fils, commence à prophétiser. La Bible dit que quand il a commencé à prophétiser, les os, ils ont commencé à se rassembler. Oh, alléluia. Tu as dit que prophétiser, tu as dit que kangana. Nous avons dit que ces prophètes, continuent à prophétiser. Parce qu'il y a des moments, des fois, tu commences à prophétiser. Non, continue à prophétiser. Parce qu'il y a des grandes choses encore qui vont se passer. La Bible dit que le prophète a commencé à prophétiser. Dieu l'a dit, j'insiste ma fille, j'insiste mon fils, continue à prophétiser. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que des fois on demande des questions. Et que ça la je sais que c'est une question que nous tous on pose. Abraham il te benga et papa na foi. Mais il y avait un moment où tu es ça qui. L'angina ebisoye lokomoko kobangate. Il y a des gens des fois qui disent j'aime bien notre président. Mais je vais te dire une chose. Notre président il connaît pas la pointure de ton pied. Aibinangota. Aibite sokola taka M S L, il sait pas ça. Mais notre Dieu, alléluia, alléluia, il connaît même tes désirs. Oh yo senga na sewana, parce que lui il sonde le cœur et le rein. Il a dit commence à prophétiser. Quand il a prophétisé, miku esangani, banereye, musunyeye, Bible le bina suka et komaki ni grande bataillon. Alors comprendre que komaki ni grande bataillon. Donc, c'est que quand tu vas prophétiser, on va encore prophétiser et c'est quand tu vas comme on a été. Mais tant que tu vas comme on a, tout le monde va dire que non, moi, tu as un Nzambe. C'est pour ça que j'ai dit, Kobangate ceux qui m'ont sapiné, Kobangate ceux qui m'ont salané, Nzambakoui Kobungi, ça m'a salané, je vais te dire ça. Nzambakoui Kosalo Pedre m'a salané, pour appeler ceux-là comme sous. On va appeler ces exemples. Ceux qui n'ont pas été en train de se faire, ceux qui n'ont pas été en train de se faire. Vous voyez ça? Ceux qui n'ont pas été en train de se faire. Bon, merci. Donc, ce qui nous a permis de faire, c'est que nous n'avons pas été en train de se faire. Basé toujours dans la Bible. Et ça, qui est dans la Bible, c'est une journée où nous avons été en train de Abraham, il était avec sa femme dans la maison. J'ai essayé d'étudier Banda Kuyakala. Balobinini, au moins il poursuit même. Alléluia. Bazo sa poursuit même, bazo tsango nandako. Pour ceux qui chalèrent les amakas, éviter chalèrent les côtes nandako. Mais ce jour-là, ils la poursuit même simbarate. Balobinini, Abraham a bimi libanda. Mais tant qu'abimi libanda, qui mi chalèrent nandako. Tant qu'abimi libanda, a eu promesse, a coûté une promesse à Isaac. Ah, vous comprenez, gâte. Vous comprenez ça? À permettre chaleur et zlamakas nandaku pour abima pour azoli pambolia Isaac. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice de l'homme, c'est une vanité. Nous, les hommes, ne sommes pas justes. Un jour, j'ai regardé, quand on regarde les symboles de la justice, et montre une femme avec des yeux bandés, avec une balance, c'est la fraude, c'est des mensonges. Quand un juge, les gens se voient, l'autre il a l'argent, l'autre il n'a pas l'argent. Pas qu'on critique, pas qu'on tique, mais on a un bon côté. C'est pour cela, chercher d'abord la justice de Dieu. Les restes qu'on peut s'améliorer. Je ne peux pas dire que je suis un homme. Ah, vous comprenez? Je ne peux pas dire que je suis un homme. Je ne peux pas. Donc, c'est que les restes, c'est un cadeau qui va te faire. Mais cherchons d'abord le royaume des cieux. Il y a une verset des fois que ça fait mal. Nous avons l'obéi, yes, l'obéi, ou alungoye pananga, ami boya yemoko. La volonté de Dieu, c'est ça, comme boya yemoko. J'aime bien dire à mes sœurs, au moment où nous avons un maquillage, les femmes, ils ont, c'est pour ça que je dis, la femme, c'est la perfection de la création. Oui, vous inquiétez pas. La femme, c'est la perfection de la création. Nous, les hommes, un homme, c'est la couronne de la création. Mais la femme, c'est la perfection. Nous avons mis en salle qui m'a salé Adam, habité dans la Ève.
abandi kotala yanga lalisa ki Adam alalisi Adam le on na sala ki bien tard ah na bon alléluia donc pas ça pas détail nous donc c'est que alléluia acclamons pour la gloire de Jésus tout en la Bible Isaïe Isaïe 46 Isaïe 46 46, 10. 2 secondes. J'annonce au commencement ce qui doit arriver. Continuez. Et le temps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. 2 secondes. Donc, na début, na quand nous sommes venus au salam. Mais na tant sanini, aux hommes dit na nous et coquille samité. Continuez. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Dieu, il annonce au début ce qu'il lui va faire. Et dans les temps, des fois, tu vois comme ça, ça n'arrive pas. Mais Dieu nous a assuré. Le projet nanga na vinayo et koko kisama. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Pour nos joyeux, comme nous demandons de singa, ça là, nous ne pas comment nous yo. Quand tu fais la volonté de Dieu, j'aime bien dire ça, dans la vie, il y a des droits et il y a des devoirs. Quand tu fais le droit, au besoin de devoir naio, nous sommes pas au sala droit naio, parce que nous sommes nous avons répété à sala yo pour n'habiter mon corps, nous sommes pas sala tout pour nous souffrir, nous sommes pas sala tout pour nous autres naio et comment et si nous sommes pas qui sont ceux qui sont simba bien que simbaté, non archi faux, nous sommes pas sala yo tout pour nous coller la lela. Nous avons ça pour un objectif, mon corps. Hier, soyez à éclairer, hier, soyez à Fongolibiso, à l'objet, aux amouins d'Amokili. C'est pour ça que je dis peut-être au milieu binanouté. Parce qu'aux awa n'a pas sa goût. Namona, un jour, une certaine dame qui avait la promesse de hypertension. Le médecin l'a dit, plus jamais tu dois manger du sel. Mais le jour que j'ai parlé avec cette maman, il m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de goût à Pondo. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas besoin de goût à Pondo. Pourquoi? Parce que Pondo, ce que tu as dit, c'est que tu as dit, c'est que tu as dit, parce que mon goût est assoussouté. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas critiquer. Nous sommes là pour te payer sa goût. Vinayo, il faut payer sa goût. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. C'est à nous de les amener dans la lumière. Et si quand on retourne de sa goût, alléluia. Et ce qu'il faut battre, c'est le message qu'ils ont sous-souté. Ce n'est pas pour enlever, pour tout tomber la combat, mais ça pour te dire ça, Yesu. Dieu, ça la part, Nabiso, le bas qui allait évangéliser. C'est ça la volonté de Dieu. Nous avons dit, Pierre, fais des gens tes disciples. Il a dit non. Fais des gens mes disciples à moi, Jésus. Et comme disciples de Jésus, tu as l'objectif d'aller prêcher la parole. C'est ça notre devoir. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Des fois, quand on lit l'histoire, ça fait mal. Il y a des apôtres qui ont mis comme ça qui sont esclaves pour Natel le Banzambé. Mais aujourd'hui, non. Il n'y a plus de Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'y a plus de Jean-Baptiste. Vous savez qui était Jean-Baptiste? C'était quelqu'un qui était destiné, selon la parole de Dieu, d'être un souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui passait presque tout ce temps à Dazabaro, l'exaltant à Nios, dans le tabernacle. Mais Nzamba, il dit, ce n'est pas ça ton destinée. Elle dit, c'est destiné à Yéza, au Kende na désert. Au Kende goûter à Sangomalam. Et quand tu fais la volonté de Dieu, peu importe l'endroit où tu seras, je répète, quand tu fais la volonté de Dieu, peu importe si Koko Zala, parce que les gens ils vont venir pour écouter la parole de Dieu. Jean-Baptiste, là qui est dans le désert, mais quand il ouvrait sa bouche, les gens ils quittaient les endroits beaux, les endroits merveilleux. Quand tu es dans le désert, tu es dans le désert. Des fois, on se confond. Même si tu es la bénédiction, c'est vraiment un endroit. Mais moi, je te dis, la bénédiction, c'est une personne. Et cette personne, il a dit, et si vous avez ma colonne, vous avez pesa melayo. Pourquoi? Parce que bibi si biso soko sali volonté nanga, ngana papa to vanda katina yo. C'est pour ça que je dis la bénédiction c'est une personne.
Et quand Jésus il est avec nous, ce que aux autres tambours la kobanga kalisusuté. Parce qu'il y a des fois quand tu vois, on avait cette habitude au bled. Donc au moment on a ni en ce qu'on a ni en il y a des gens même qui oubliaient ils faisaient le signe de la croix. C'est quoi ça? Au moment ni en moins, c'est quoi ça? C'est pas une prière ça. T'as le nom de Jésus. T'as le nom de Jésus. La Bible nous dit, na likolo na mabele ti na sen na mabele. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut clamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Je ne sais pas si tu es où. N'aie pitié ce qu'on a déjà dans le désert. Peut-être tu peux dire, non, il y a le manne qui coule. Mais je vais t'assurer une chose. Ce n'est pas l'endroit où Dieu te voit. Acclamons pour la gloire de Jésus. Non, acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. David l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Pourquoi David n'a pas dit que je baisse mes yeux? Mais je lève mes yeux. Parce que David, il voyait déjà la croix. Il voyait notre rédemption. Si tu as des soucis, lève tes yeux vers l'Éternel. Je sais que lui, il est la réponse de toutes nos questions. Aza récite à Vinabiso. Aza élévation à Vinabiso. Aza nzambako sala omote manezo koluka. Il y a certaines choses, des fois, on n'arrive même pas à dire ça à un ami. Parce que tu dis, est-ce que son ami sako se kangate? Mais nalina asireyo, nzambayebi posa mote manayo. Les seules conditions, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les restes, ça va venir comme des matadis. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est la merci qu'on a.